Voilà, deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info, la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes Radio, 130 radios territoriales qui sont nos partenaires, et TV5Monde, et l'invité politique ce matin en direct sur ce plateau. Bonjour, bonjour. c'est Hugo Bernalicis, vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger à mes côtés. Marcelo Vestred, du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et bonjour Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour. Le grand quotidien français. Voilà, votre interview sera retransmise ce matin sur les sites de la presse quotidienne régionale à partir de 10h. On en vient tout de suite à l'actualité. Dans le cadre de l'affaire Benalla, le bureau du Sénat saisit la justice des cas de trois collaborateurs clés du président Macron. Vous êtes député, mais vous êtes avant tout parlementaire. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, le Sénat a joué son rôle de contrôle ou a-t-il, selon vous, outrepassé ses prérogatives non, je pense que le, le Sénat a vraiment, véritablement joué son rôle de contrôle et je vais vous même dire davantage, c'est que euh, l'Assemblée nationale ne l'a pas fait. L'Assemblée nationale n'a pas joué son rôle de contrôle et on a empêché les parlementaires, le parlementaire d'opposition que je suis, d'aller au bout d'une histoire comme celle-là qui semble suis membre de cette commission d'enquête à l'Assemblée. Parce que je suis membre de la commission de, des lois et c'était la commission des lois qui s'est transformée en commission d'enquête. Et vous avez vu comment elle a été avortée extrêmement rapidement. Nous avons à deux reprises demander à la présidente de la commission des lois et plus précisément même au président de l'Assemblée nationale de remettre sur pied, de remettre sur place une commission d'enquête sur un périmètre plus large comme, comme l'a fait le, le Sénat et on a eu deux fois... Aucune réponse, en fait. Hein. Voilà la réalité de comment fonctionne l'Assemblée nationale. C'est-à-dire oui. qu'elle ne fonctionne pas sur cette mission de contrôle de l'exécutif. On voit que cette majorité pléthorique euh, nous fait faillir à une mission euh, fondamentale euh, de, que, que nous confère la Constitution. Et comment vous réagissez quand vous voyez Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, dire ce matin à Econ du Figaro qu on est clairement dans une, que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée Non mais on, on, croit, on se pince, on croit rêver. C'est une blague euh, je me souviens de cette séquence à la Maison de l'Amérique latine, vous en souvenez peut-être vous-même, quand Emmanuel Macron s'était présenté face à, aux trois quarts du gouvernement, à une bonne partie des parlementaires, des parlementaires de la, de la commission des lois qui étaient dans la commission d'enquête, ont même quitté la commission d'enquête pour aller à la Maison de l'Amérique latine parce que c'est pas trop loin de l'Assemblée. Hein ils sont allés tous faire un discours pour applaudir le chef de l'État qui disait euh, Benalla est un excellent collaborateur, je le remercie pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, il y a un responsable, si vous le cherchez, il est là, il est devant vous, c'est moi, et qu'il vienne me chercher. Voilà. Rappelez-vous cette séquence, et c'est cela même qui nous explique qu'il on a, on a, y a un problème avec la séparation des pouvoirs quand le Sénat fait son travail. Non, moi, je, on, on, marche, on marche sur la tête. Alors, on est habitué à vivre dans un monde de plus en plus orwellien. Il euh, faudrait un peu que ça s'arrête et qu'ils redescendent sur Terre et qu'on puisse aller au bout de cette affaire. Et je sais que vos confrères euh, de Mediapart prévoient de, 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 de nouvelles déclarations ce matin à 9h. Comment vous interprétez d'une manière générale les réactions des, des, des membres de la majorité Pourquoi ils en font trop que, qu que, comment, vous, comment vous voyez ça bah, D'une part, c'est une mauvaise histoire pour eux. C'est une mauvaise histoire, il faut le dire. C est, c est, c est... Cela n'aurait va... pas intérêt à faire profil bas, plutôt que plutôt d'essayer d'allumer des contre-feux ou de. Bah C'est qu'à un moment donné, euh, bon, ils sont obligés de réagir, quoi. Ils, on, on, tout le Sénat se, se mobilise, la grande majorité du Sénat, les parlementaires d'opposition de l'Assemblée, euh, comme comme moi, mais comme d'autres. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas être dans le mutisme. C'est pas possible. Euh, il va y avoir encore des nouvelles annonces. Donc, ils sont obligés vous au moins d'allumer de des contre-feux. Des annonces contre de Mediapart à oui. 9h, Il, il s'agit de quoi enfin, mais je ne sais pas. Vous vous pas il paraît qu'il qu y aura un nouvel euh, au un, un nouveau man, un nouveau élément, un nouveau personnage dans les c'est comme ça qu'a présenté les choses Edoui Plenel. C'est clair que, euh, vous savez, il y a, on a vu au fil de cette affaire qu'il y avait une bonne dizaine de conseillers non déclarés, en tout cas officieux, qui n'étaient pas dans les listings. Euh, un peu moins, un peu moins. Un, un peu moins, j'en sais rien. En tout cas, moi, je, de, de, du début de l'affaire Benalla, c'était une dizaine qui était annoncée. Alors peut-être que c'est 8, peut-être que c'est 7. Justement, on n'en sait rien. Mais peut-être que c'est parmi ces personnes euh, qu'on a un nouvel élément euh, dans, dans l'affaire. C'est une hypothèse que je mets là. On en saura euh, beaucoup plus dans, dans, dans quelques heures. Euh, donc je vais, je vais être patient. Quand vous voyez qu'Edouard Philippe boycotte hier les questions au gouvernement du Sénat, quelle est votre réaction Vous comprenez ce, cette bouderie Non, mais c'est ridicule. Euh, je trouve ça ridicule. Vraiment, il y a une situation politique, il y a des questions qui se posent, il vient, il répond. C'est la première fois d'ailleurs qu'il se défile de la sorte. Jusqu'à présent, il avait toujours mis un point d'honneur, y compris dans les moments compliqués, d'être présent. Quoique, quand je dis ça. Euh, justement, au début de l'affaire Benalla, souvenez-vous, il avait préféré aller. Non, on lui a demandé, pardon, Emmanuel Macron lui a demandé d'aller plutôt sur euh, une étape du Tour de France euh, que de venir à l'Assemblée nationale. Après, il avait été très présent euh, pendant oui, tout oui, le non, mois de juillet. Oui. Hein. Vous voyez, finalement, c'est une mauvaise stratégie, ils sont en train de retomber dans une mauvaise stratégie, il finira par euh, être obligé de revenir et de répondre aux parlementaires. Alors, demain, samedi, samedi acte 19 des Gilets jaunes. Tournant sécuritaire, hein. vraiment, le gouvernement a dit, on va mettre les moyens, on met des drones, on interdit les manifestations dans plein d'endroits, place de la Concorde, Champs-Élysées. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il faille mm, rétablir l'ordre public dans ce pays non ben, Tout le monde est pour rétablir l'ordre public dans ce pays. D'ailleurs, ça, c'est une banalité quand on dit ça. La question, c'est comment on y parvient euh, Ça fait des semaines et des semaines qu'on explique, qu'on explique, et pas que les parlementaires de, de la France insoumise, hein, euh, qu'il faut une désescalade. Une stratégie de désescalade. Et là, ce qu'on voit, c'est même pas un tournant, c'est une escalade. cest la continuité. Les éléments de langage qui sont posés aujourd'hui en disant, si vous allez à telle ou telle manif et qu'il y en a un qui casse une vitrine, de toute façon, vous êtes complice parce que vous êtes dans la manif, euh, ça a commencé il y a déjà euh, quasiment deux mois, puisque j'ai déposé une plainte contre Christophe Castaner pour ça, parce que la complicité de casse en manifestation, ça n'existe pas dans le code pénal. Et qu'inventer des caractérisations pénales, euh, c'est intimider les gens. C'est faire en sorte de les empêcher d'aller manifester. C'est-à-dire, attention, vous allez vous faire attraper par la patrouille. Et on a vu déjà cette circulaire aussi, cette note interne du procureur de la République de Paris, Rémi Eitz, qui a été nommé par ce gouvernement, par Emmanuel Macron, par ailleurs, qui prévoit qu'on garde le plus longtemps possible les gens en garde à vue. Ça, c'est pas l'état de droit, c'était déjà pas l'état de droit. Alors là, en plus, on vient nous rajouter quoi On vient nous rajouter les militaires. C'est ça l'élément euh, euh, qui est euh, vraiment important. Euh, Jusqu'à présent, sous la Ve République, personne, personne, personne pour faire du maintien. de l'ordre, n'avait fait appel aux militaires, enfin, ni pendant les émeutes de, ni pendant les émeutes dites de banlieue, de... de... ni ni pendant pour surveiller de façon statique des bâtiments. Mais, Mais même, que vous même proposez... dans ce cadre-là, même -ce en mai 68, proposez... on n'a pas mis des militaires pour faire des gardes statiques pour surveiller les bâtiments. Face aux casseurs, qu'est-ce qu'on fait Mais écoutez, on, on... moi j'écoute hein, quand même un petit peu ce que dit Christophe Castaner. Euh, il nous a dit il y a un mois et demi, chez Jean-Jacques Bourdin, et à plusieurs reprises, parce qu'on a eu une proposition de loi sur, sur le sujet, vous le savez, qu'il y avait entre 150 et 300 casseurs dans le pays. Ce sont les mots de Christophe Castaner. Il dit et, « et on les connaît ». Il a répété à plusieurs reprises. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on passe de 150 à 300 casseurs qu'on connaît à 1500, juste le jour, là, le samedi dernier, mmh. et puis au bout de deux jours, comme pour justifier l'opération Sentinelle et d'autres mesures coercitives, on a des déclarations disant non, ils n'étaient pas 1500, ils étaient 10 000 casseurs. Mais il y a euh... des casseurs d'étrangers, il, de attendez... il y a des black box, il y a des gens comme ça, vous le savez. Oui, mais c'est une poignée de pays Bien sûr qu'on sait les identifier. Pourquoi on sait les identifier Encore une fois, regardez la faille, la faille du dispositif, la, de, la manière de, des éléments de langage de Christophe Castaner. Il dit on les connaît. D'ailleurs, les services de renseignement avaient tous les éléments, on savait qu'ils serait là. Alors qu'est-ce qu'on qu qu attend S'il y a des personnes qui commettent des délits ou des crimes, il faut les arrêter, c'est tout. Euh, et pas, le problème, c'est qu'en fait, on arrête tout un tas de gens qui n'ont rien fait. et C'est là le, le, point, vous avez... le point caractéristique qui fait qu'ensuite, excusez-moi, il y a une escalade, une radicalité qui augmente de manifestation en manifestation. Et donc, c'est bien le contraire qu'il faut faire. Vous avez demandé, vous faites partie, vous avez demandé officiellement à la maire de Lille, Martine Aubry, de prendre un arrêté municipal symbolique pour interdire l'usage du LBD sur, sur la commune, comme l'a fait le maire de Fersbourg en, oui, tout à fait. en, en Moselle. Euh, Est-ce que, qu est que, est que vous pensez que ce, ce, cet appel sera, sera entendu et qu'est-ce que ça peut changer, puisque c'est très symbolique en réalité et Je, je, je l'espère. Ce qui est important pour nous, et c'est pour ça qu'on a organisé une réunion hier à, à, à l'Assemblée à 14h à notre initiative, on a invité tous les groupes parlementaires, on a invité tout un tas d'associations, de syndicats, de, de personnalités, euh, pour dire, écoutez, là, ça va trop loin. Il faut qu'on pose tous des actes politiques sur un arc de force suffisamment large pour rappeler ce que c'est la République et l'état de droit. Vous entendez Rappeler ce que c'est la République et l'état de droit. Parce que les régimes politiques qui font appel à l'armée dans, dans le cadre du maintien de l'ordre, les régimes politiques qui maintiennent les gens en garde à vue, Arbitrairement. Sur le, alors, alors sur attendez. Alors que ce n'est pas le cadre du code de procédure pédale. Euh, les, les régimes qui utilisent des armes comme les LBD 40 ou les grenades explosives, qui font qu'il y a des gens qui ont des mains arrachées. À ce jour, 22 personnes éborgnées dans le cadre des manifestations. Comment on appelle ça d'habitude Mais vous avez Comment que le gouvernement a demandé que les LBD soient utilisés sans restriction, pas de réserve sur l'utilisation des LBD ce week-end. Ah bon Et donc, il oui, y a plus de cadre déontologique Si, dans un on cadre peut, déontologique, on peut viser le visage, le viser le visage tranquillement Non, non mais le gouvernement c'est inquiété du voir que les policiers utilisaient moins, en raison des polémiques, les LBD. Ils ont demandé qu'on le, qu on les utilise dans les cadres mais normaux. Heureusement qu'ils l'ont utilisé moins. Parce qu'on l'a utilisé, j'espère, dans un cadre beaucoup plus réglementaire. Quoique, samedi dernier, il y a quand même quatre tirs de LBD au visage. Vous savez qu'il qu faut une sur formation hein, pour utiliser les LBD Bah oui, mais vous savez combien de temps elle dure, cette formation Hein et une journée. Vous avez une journée euh, euh, d'entraînement de, de, et vous devez recycler votre, votre stage euh, tous les trois ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, et, et, et quand vous l'utilisez pas tous les quatre matins et qu'on vous le met entre les mains, euh, bon, ça pose un petit Hugo, un petit peu un problème parce que d'ailleurs ce sont des, des équipages euh, bac. Qui ont essentiellement utilisé les LBD, pas que, hein, mais essentiellement, avec des, des méthodes qui sont d'habitude utilisées dans les quartiers populaires. Parce que des ébordiers, on en a aussi dans les quartiers populaires. Mais Hugo vous êtes, vous, êtes, vous êtes, la, la sécurité, c'est une de vos spécialités. Vous aviez rédigé oui. le livret euh, Sécurité, Retour à la raison pour Exactement. la France insoumise. Vous parlez de désescalade, mais vous n'avez pas répondu à notre question. Concrètement, ce n'est pas une question politique, mm -hmm. en dehors de toute considération politique. Quand vous invitez à la désescalade, c'est quoi oui. les clés Comment on fait pour obtenir une vraie désescalade sur le terrain, pas, euh, pas, non, sur, le terrain, pas sur le terrain politique de la dénonciation. Oui, oui, Techniquement, on euh, en fait comment de, Demain, je suis mis à quoi, quoi, l'intérieur, pro... comment on fonctionne voilà, Exactement, vos propositions concrètes, c'est bien vous de à se, à se dé... projeter la de dé... la sorte. Vous, hein, vous, non, vous non, avez allé mais... à démission de Castaner, donc si c'est oui, vous qui êtes nommé demain. Moi j'ai dit, demain je prends sa place, il n'y a pas de problème. Alors vous feriez quoi On va quand même des escalades. je vais vous répondre là-dessus, mais n'oublions pas tout de même le point central, c'est pourquoi les gens sont dans la rue. C'est pour des raisons politiques. Mais ça, ça c'est la réponse non, mais non, politique. Mais la réponse technique sur la désescalade. Ne pas qu'on l'oublie. D'accord mais, mais ensuite, mais ne en profitez de la pas pour ne pas répondre sur la désescalade. Ah, non, non, non. Je vais vous répondre. Sur la question du maintien de l'ordre. Euh, les techniques de désescalade, c'est que euh, vous essayez de mettre un dispositif qui est un peu plus en retrait. Euh, comment font les Allemands Au lieu d'être au bord de la rue, au lieu d'avoir des équipages de la BAC qui suivent le, cor le cortège euh, quasiment au corps à corps, tout le long, avec des échanges d'insultes, etc., mmh. euh, qui viennent faire monter la tension, ben vous, re vous reculez. Pour vous reculez d'un cran. Par contre, vous avez un dispositif où vous identifiez beaucoup plus en amont euh, les personnes qui seraient fauteurs de troubles et vous les identifiez aussi à l'aide des vidéos, etc. Derrière, ceux qui ont cassé, ceux qui ont véritablement cassé. Voilà comment vous gérez un dispositif. Et vous, et surtout, vous prenez soin que toutes les manifestations qui ne montrent aucune hostilité ne soient pas du tout inquiétées. Et dans la désescalade, il y a aussi à faire en sorte d'assumer qu'il y a eu, oui, des violences de la part de, 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 de policiers. Euh, je crois la plupart du temps sur ordre. Je crois la plupart du temps dans le cadre de dispositifs dont ils n'ont pas la mais maîtrise. Ça veut dire que vous souscrivez à une partie de ce que propose le gouvernement. Par exemple, les produits de marquage. Vous parlez d'intervenir, de, de, de repérer en amont les casseurs. Ça veut dire que vous êtes pour les produits de marquage, non. par exemple Non, parce vous que vous parlez des vidéos, je... l'usage des drones, non, attendez, etc. Vous en êtes pour. Regardez, à je reviens. Je reviens à ce que je vous disais euh, tout à l'heure. Christophe Castaner dit il y a 150 à 300 casseurs, on les connaît. Bon, et on n'a on a toujours pas utilisé de produits de marquage. On n'a pas besoin de drones. de on les connaît. Non, non, mais attendez, on, on les connaît. Au tout début de la mobilisation, il y a six personnes qui ont été interpellées des mouvances d'extrême droite avec l'aide de la DGSI qui les ont identifiées, qui ont fait le travail de police classique ce que vous sous entendez c'est que le gouvernement a joué le pourrissement, a laissé les, bl les black blocs le faire. Alors vous, -le avez, que... vous avez même les le... syndicalistes policiers, le, 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 le secrétaire euh, national d'UNSA Police, euh, qui explique, qui se demande pourquoi, comme pour le 1er mai, il euh, y, y a un peu plus d'un euh, an, pourquoi on a demandé aux policiers de ne pas intervenir sur les Champs-Élysées, dans un premier temps Pourquoi vous, êtes, vous êtes en train de nous dire que le gouvernement a laissé casser délibérément bah écoutez, ça fait plusieurs, à plusieurs reprises qu'on se, qu se demande euh, comment ce dispositif peut avoir lieu. Alors, à l'époque, vous, vous avez des éléments concrets et tangibles là-dessus bah c'est les policiers de... qui, vous dit, qui nous dit ça. Là, c'est le secrétaire national d'une simple police. Vous avez entendu hier Castaner qui dit... Euh, devant le nouveau préfet, hein, Didier Lallemand, euh, tolérance zéro et les Black Blocs, mmh. leur place c'est en prison. Oui, bah, la, dernière fois, la dernière fois que M. Lallemand a fait tolérance zéro, c'était pour justifier le fait que mon collègue euh, parlementaire, Abandon, député Loïc Foudium, enfin, hein, que ce soit normal qu'il ait été matraqué alors qu'il marchait sur le trottoir. Il, il, il y avait lui et, euh, et un ami, ils étaient deux sur le trottoir, hein. pas du tout de gilets jaunes, pas d'hostilitaires, rien du tout, et il se fait matraquer. Vous trouvez ça normal Vous avez porté plainte. Vous trouvez hein, ça, ça normal pour un citoyen déjà Et qui plus est pour un parlementaire Bien sûr que la, la plainte a été déposée à la fois à l'IGPN et une plainte classique euh, au commissariat euh, de Bordeaux. Non, mais vous voyez, tout ça participe de l'escalade. Ce n'est pas possible. Regardez ce que disait le préfet Grimaud en, en 1968. Il disait voilà, qu'il y ait des interventions qui soient un peu violentes euh, parce qu'on va intercepter des casseurs, des gens qui veulent en découdre avec la police. Bon, dont acte mais il disait derrière aux policiers, attention, ne frappez pas quelqu'un au sol, ne frappez pas quelqu'un que vous avez déjà arrêté, parce que sinon on se déshonore et c'est comme ça que le, la police perd de l'autorité et du respect par rapport à tous les autres manifestants qui n'ont pas envie d'en découdre avec la police. Hugo Bernalicis, député à France Insoumise du Nord et notre invité politique ce matin. Le Brexit, on se dirige vers un report de brève durée et les 27 s'accordent pour un délai à donner à la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, selon vous je sais pas, en matière de Brexit, je ne sais pas vous dire ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle, surtout dans cette période de négociation. On voit que, que les, les, les Anglais, en tout cas les parlementaires anglais, veulent aller jusqu'au bout des, des tentatives pour, pour avoir l'accord le plus favorable, ce qui, est, ce qui semble assez logique. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un point de contradiction euh, entre les, les, ce, que, ce que veulent les parlementaires euh, britanniques. Ce que veut aussi le peuple britannique, visiblement, parce que, bon, dans tout ça, dans cette histoire, il est un peu mis, euh, mis à l'écart, et ce que veulent les 27, enfin, plutôt ce que veut la Commission européenne. Donc, euh, je ne sais pas comment ça va aboutir. Je ne sais pas comment ça va aboutir. Ce que je sais, c'est que euh, sortir de l'Union européenne comme ça.